Hello, hello. Bonsoir et bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Le salut YouTube. Calvaire continue. Mission passée d'hiver. On nous a vaguement, voilà, on nous a vaguement comme ça profilé ce qui arrive, donc fin de l'hiver, et on nous a dressé vite fait un panorama du printemps. Je sens que ça va être, ça n'a rien délectable. De printemps. Ouais, délectable, c'est ça. Mon Dieu. Je rejoins. Parce que deux jours, ça va. Oui. Alors, c'est marrant qu'il me retrouve pas ma game à moi directement. Il n'y a pas moyen de mettre les serveurs en favoris. J'ai un peu je cherché. Je suppose. J'ai un peu cherché, j'ai pas doit trouvé. Doit y avoir moyen, mais. Pas trop. Hein. Faudrait regarder. Faudrait regarder. Je vous trouverai ça pour la prochaine fois. Yes. Donc. Ouais, souris, tu peux peut-être lancer une prédit au cas où il y en a qui n'auraient pas. peut-être mettre un palier ouais. À 15. Oui, j'allais dire, si c'est le nombre de morts. Parce que si les saisons vont de pire en pire, selon mes calculs. ça, voilà. Et au fait, ça d'ailleurs, ouais. on commence en quelle saison dans le jeu? Octobre. Automne. 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 Ah oui. Et précisément en octobre, oui. Ah, ça, le vent viendra craquer les branches. Vous avez entendu. J'adore cette chanson de Francis Cabrel. Moi, je préfère Garo Gori, moi, de Francis Cabrel. Vous pouvez me jeter des cailloux, n'hésitez pas. Oh, ça y est, ça commence. Gori, Jack. Voilà. Il fait nuit, très bien. Beaucoup de bordel dans l'inventaire. Comme toujours. Toujours en manque de bouffe, ok, très bien. Alors, il y a une tomate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cabrel, Garo Gori, le fossé. Bah pourquoi donc? C'est pas le mec avec sa barbe et sa guitare là? Ah, quoique non, il a pas de barbe en fait. C'est ah non, vrai, ça. C'est vrai. Qui? Comment tu dis? Brasseur. Brassens, bande d'incultes. C'est un mec, c'est un mec qui fait de la bière. Oui, voilà, c'est ça. J'ai rien pas avec la bière en question. Attends, ma jauge de faim. Ah oui, j'ai plus de vie, plus de faim. Ah oui, tu devais me faire des drogues. Oh ben, j'admets que là, il n'y a plus grand-chose dans les... Ouais, honnêtement, les gens, honnêtement, je trouve qu'au regard de ce qui est arrivé près de notre base, je trouve qu'on a globalement... On s'en est bien sorti. On a sauvé la table, et globalement, quasiment rien n'a été détruit. Je veux dire, hormis ceux qui sont morts, personne n'a été blessé dans l'incident. Le seul être immortel du camp. Monsieur Squeak est immortel. Monsieur Squeak n'est pas mort, oui. Sachez-le. Courage, fuyons. C'est ça, il applique les préceptes opossum à la perfection. Oh, il y a des trucs à manger là-dedans, c'est quoi ça? Périmé, non. Bon, alors du coup, c'est bon, je ne prends pas. Ouais, non, évite de bouffer des trucs périmés de préférence. Quel que soit le jeu, Jack coupe des arbres, bah oui, mais il n'y a que ça à faire pour l'instant, là. Je coupe. Alors on m'a dit qu'on pouvait faire des armures en... Des armures de combat. Je pense que je vais tabler sur l'armure de combat. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait jour là? Faut trouver de la bouffe hein. Il fait jour, Jack, t'as déjà pris un trou de verre? Oui, j'en c'est avais pris un en tout début. C'est les anus qui piquent, t'as dit, ou je sais pas quoi. Là. Oui, c'est les anus avec des dents. Voilà. Ouais. Bah j'en ai déjà pris un, mais si tu veux, on peut aller dedans, moi j'aime bien. Okay. Je trouve ça fun, en plus ma santé mentale là, est quasi au maximum, je veux dire, il n'y a aucune raison que ça parte en sucette. Hein. Mettre un ping, je ne sais plus comment on fait. Attends, je me fais une armure de combat. Ah oui, du coup j'aurais pas la doudoune. Ok. Qui es-tu déjà, Jack? Tu es là. On y va? Oui, je te vois pas. Regarde, je suis là. Ah, c'est toi avec le bonnet. Ok, bonnet, super. Bonnet vert, c'est moi. Ok. Par contre, j'ai pas beaucoup de vie. Je préviens. Okay. Ah, attends, j'ai oublié ma pierre de chauffe. Ah oui, moi aussi. Ah non, c'est bon, j'en ai une. C'est bon. Ben, bravo, c'est... Je l'avais mis à recharger.
Vous savez, ça rend folle ma fille quand elle me voit avec mon téléphone à 3%. Sauf que moi, il arrive à rester à 3% toute la semaine. Non, je j'exagère. La trigger. J'ai la torture. Oui, j'allais dire. C'est... Oh, mais il y a encore des lapins. Oh, faut qu'on mette des pièges, princesse. Okay. Sachant que bientôt, ils serviront plus à rien. Les... Oui, mais en attendant, ils servent. Après, les qu'est-ce que j'ai fait temps. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Rien, c'est bon. Des bêtises, comme d'habitude. Je te suis, princesse. Let's go. Ah, mais c'est bon, il y a des lapins, là. Il y a des lapins qui ont été pris au piège. Oh, le petit filou. On va essayer de rester sur la route, ça nous fait aller plus vite. Tu peux voir la route sur la map, parce qu'on la voit pas, du coup, à cause de la neige. J'ai pas de minimap, moi. C'est vrai? T'as pas installé les modes? J'ai installé aucun mode, moi. Moi, je joue sans mode, moi. Je suis Vanilla. Jack ne fait pas ses devoirs. Vas-y, rentre dedans. Ah oui, c'est bon, ça y est, j'ai réussi. Les prédictions sont ouvertes. Combien de fois ce soir va mourir Jack? Zéro. Oh, donc nous atterrissons là. Sachez que s'il n'y a plus de silex à la base, c'est ma faute, ils sont dans mon inventaire. D'accord. Ah. Je me disais bien. J'ai 29 silex sur moi. Bon, c'est bien, c'est que moi on n'a pas allé en chercher. On est où? Ah bah, tu sais, regarde, il y a un truc là. Ah non, les fleurs du mal. Pile là où il faut pas être. Ah bon? C'est-à-dire? C'est là où est parti le boss de la semaine dernière. Attends, je regarde la carte. D'accord. Et non, il y a eu un point rouge demi, je crois, pour dire le boss est là. Tu sais où tu vas, princesse? Tu sais ce que tu fais? Non, on explore. Oh, attends. À manger. Oh. Yes. Faudrait qu'on arrive à tuer les canards. On nous a dit qu'on pouvait pêcher, ça serait peut-être bien. Hein. Ouais. Un streamer peut-il cumuler Oh, on a trouvé un biome. On a trouvé un biome à buffalo. En fait, ça a déjà été exploré là où on est. Ouais, il y a des buffalo là où on est. Oh, ils ont plus de poils. Ouais, je pense que l'un de nos copains est passé par là déjà. Je vais chercher des cacas. Vas-y, prends des cacas. Faites attention aux cochons qui sont sur la péninsule où on voit des espèces de grosses baies sur la carte. Viens, viens, viens. Ils sont agressifs. Mais vous y êtes pas encore. Il faudrait aller plus. On va faire de la bouffe. Attention sur toi. Ah mince, c'est F. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Tiens, mais t'es zéro déjà en termes de mort. J'ai 5 HP, Jack. On bah va-t'en, va-t'en, va-t'en. Viens, suis-moi, suis-moi. Attends, je prends des trucs, on va pouvoir me... Faut que je prenne des objets. Bah, Arthur va pouvoir me faire des drogues. Les araignées, c'est bien parce que ça permet... Ah oui, j'ai plus de vie, j'avais oublié. Oh, faut que je m'enfuis. Allez. Oui, 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 viens, viens. Attends, j'ai gardé de la viande dans ma main. Viens, 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 on rentre à la maison. Bon, j'ai refait le plein de viande. Hein. Ouais, je l'ai refait aussi en partie. C'est bon, la situation est sous contrôle. Tiens, attends, vas-y, approche-toi, je vais te donner la viande. Donner. Voilà. Ok, super. Oh, génial. Là, on n'est pas du tout parti pour rien. On a ramené une baie et une viande. On a exploré. On a pris un trou de verre. J'arrive à voir mes points de vie, là. J'ai un point de vie. J'ai littéralement un point de vie. Eh bah, parfait. Ça veut dire quoi quand les arbres bougent comme ça? Ça veut dire que c'est un boss géant machin, je sais pas quoi? Non, là c'est juste qu'ils ont grandi. D'accord. Oh, il y a le géant! On se casse, on se casse! C'était pas mauvais, c'était très. Mais t'as le chic toi! J'ai coupé un arbre! On l'a même pas coupé en plus. Vous avez trigger un trigard? Oui. Ouais, mais il est loin. Il est très loin. Là on a coupé un arbre quoi. Je crois que je suis en train de devenir fou. C'est grave, on peut pas les laisser 5 minutes tout seul. Hein. Le chat, essaye de suivre mes pas. D'être derrière moi. Non. Là. J'essaye de suivre la route pour aller plus vite. Tu sais que je suis considéré comme un influenceur, c'est très mal vu que je crois après une femme comme ça. Oh, je suis en train de mourir deux fois, je vais mourir. Vas-y, rentre, rentre, rentre. Pas grave, c'est pas, on est pas loin de la base, on est pas loin de la base. Vas-y, rentre. Mais lâche ça! Attends! Oh. Il y arrive. Mais non, mais il a fallu que je lâche mes feuilles. Merde, la viande, c'est toi qui avais la viande, j'aurais pas dû te la donner. Je savais que ça tournerait genre, mal. J'ai une viande.
Attention à la main. Faut lui taper la tête à la main. C'est bon. Oh, je suis arrivé vivant. Moi. Une petite prédiction pour les morts de princesse. Mais ma pierre, pour ceux qui ont faim. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai quelques lances d'avance. Je vais les poser. Ah non, celle-là, je la garde. Elle est en bon état. Oh là, j'ai eu un freeze. Voilà, c'est bon. Mets de la glace en accompagnement, si tu peux. Jack, pardon, qu'est-ce que tu fais avec le... J'ai mis une baie. J'ai ramené une baie de l'expédition. Excusez-moi du peu. Hein. C'est bien. Alors, j'avais ramassé des plumes pendant le carnage du boss. Et j'avais ramassé... Ah oui, et du coup, je vais mettre les silex aussi au sol, là. Il y a eu un truc pas terrible de fait. Quelqu'un a gâché la nourriture. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, d'accord, ok. Mais j'avais pas une armure à un moment, moi. Je m'étais crafté une armure, les gens. J'ai rêvé ou... Non, je crois que j'ai rêvé. Tu l'avais pas échangé avec une veste? Non, j'ai dû la poser par terre à un moment en voulant poser du tissu, il me semble. Ok. L'accident assez classique. Hein. À haut niveau, comme moi, je veux dire, tout geste un peu technique peut provoquer une catastrophe et donner l'impression que tout ça est fait dans la confusion et la précipitation, alors que... Alors qu'il y a quand même... Oui, si, il y a quand même un peu de ça, quand même. Bon, c'est tout à fait ça. J'ai ramené les cacas. Qui m'accompagne pour le revive? J'arrive. Je vais avec mon point de vie... Je vais avec mon point de vie venir t'aider. Tu prends une pierre de feu et du bois. Oui. Alors j'ai du bois sur moi, je cherche juste. Il y a du... des chiens. Oh non. Oh non, bon bah j'attends. Restez là. On devrait s'éloigner un petit peu de la base parce que s'il y a des chiens. Alors on est en hiver, je suis pas sûr qu'il y ait des chiens rouges, mais si c'est le cas. Ça peut foutre la merde. Quelqu'un peut éventuellement activer la catapulte de princesse. Ouais. Comment ça marche? Il faut mettre de la salpêtre dans... Dedans? Dans ce truc-là, là. Ce truc-là. Ah, j'en ai trouvé. Hop. Quand on entend le son à droite ou à gauche, c'est là d'où viennent les chiens, j'imagine. Aucune idée. Pas nécessairement. Voilà, bon, les gens, quand vous avez un point de vie comme ça, vous restez à proximité des gens et vous... Vous restez proche des habits, surtout. Des habits? C'est quoi les habits? Les fantômes. Il y a des fantômes partout. Pas contents. Ah, d'accord. Les fantômes pas contents. Allez, les habits! Oui! Oh là là, c'est beau! Oh, regardez ça, mes catapultes qui marchent et qui sont super efficaces! J'adore. Il y en a deux, il y a un bleu. Ne vous approchez pas trop de celui-là quand il va mourir. Oh la vache. À droite, il y en a un. Oh, c'est... Il y en a un en bas, il y en a un en bas. Oh, la neige a fondu. Oh, il y en a un autre. Il y en a un en haut qui attaque la base. Et amenez-le vers la catapulte. Il attaque les coffres, il attaque le coffre mobile, faites quelque chose, sauvez les coffres. Allez les habits. Tiens, il y en a encore un autre, mais il y en a combien? Oui. Attention, Malfis. Ils sont aussi nombreux, sinon tout seul. Non, il y en a moins. C'est bon. Du moins, pas à la vague 3, comme la... Enfin, pas à la vague... On est jour 35. Pas à ce jour-là en termes de vague. Ça arrive. C'est bon? C'est fini? Est-ce que j'ai le temps d'aller revive ou c'est trop tard? Oui, tu devrais avoir le temps. Ok, Jack, let's go. Je me lance à manger parce que attends, je suis à combien? Je suis à 34 de bouffe. Il faudrait que je mange un truc avant de partir. Je vais finir de préparer. Bouffe la soupe de lapin. La soupe de... Ah oui, c'est le cuit là. Oui. Enfin, non, elle est dans le frigo. Ah. Elle remonte la santé mentale et elle remplit l'estomac. Ah bah nickel. Super, attends, je prends une pierre pour princesse. C'est pas le bon truc que j'ai pris. C'est parti.
Tout va bien. Alors là, il fait juste obscur, mais du coup, c'est un tiers, on est dans... Mm. Par contre, j'ai pas de quoi faire une torche, princesse. On a une longue obscurité. Au pire, on restera au feu de camp. Il y a un feu de camp, oui, là-bas. Ouais. Oui, il y a le feu en pierre que Malphys avait... Bon, puis j'arrête, j'arrête de toucher, de tripoter tous les trucs que je connais pas, parce que j'ai l'impression que ça me porte à chaque coup préjudice. Mmh. Mais non. Alors c'est le bon moment d'aller essayer de choper des écrevisses avec la canne à pêche de mer et des dusk bait. Oh. La pierre a cassé ou quelqu'un a récupéré? Jack a pris une pierre pour moi du coup. Non, ça devait être la même, ok, pas de soucis. Je te la rends de suite. Non, je voulais juste savoir si elle avait pu casser. Au pire, tu peux aller récupérer la mienne sur mon cadavre. Mon cadavre, il est sur la flèche vers le bas. Mmh. Voilà. C'est à côté de la base. Je vais aller chasser le lapin. C'est catastrophique, les zones de monstres, ou... Vaut mieux éviter, je crois, quand même. Pour la santé, ça va te faire des dégâts. Il ressemble à des sangliers. Quelqu'un a des brindilles, quelque part? Je suis en train... Est-ce qu'on en ramasse en revenant des brindilles avec Princesse? Sur mon cadavre. Si vous pouvez, oui. Sur mon cadavre, si et c'est... Et il y a une viande sur Princesse. De monstre. Quelqu'un a-t-il regardé les lapins aujourd'hui? J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps avec les... avec l'arrivée des chiens. Non, je vais faire un saut vite fait avant la nuit. Ouais, on n'aura pas le temps de revenir, Princesse. Yes, on va rester là. Ah, attends, je te donne ça. Je te donne la pierre qui a 25%, c'est la plus haute que j'ai. Merci. Je vais récupérer un arbre. Est-ce que... Oui, tiens, en cas de panique générale, on sait jamais, je te donne ça. Merci. Il y a toujours le dire clop. Il a pas des pop. Yes, bonne nouvelle. T'as froid comment? J'ai pas froid là. Ok. Normalement près du feu on n'a pas froid. Ouais. Oui, mais feu, la neige a fondu de toute manière, non? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on ramasse des arbres à baies en repartant? Non, c'est pas vraiment la peine. On a une grande quantité à la. D'accord. À la Les ça journées marche. Sont super courtes, c'est parce que c'est l'hiver, ouais, tout à fait, Zyglo. Une seule Par personne contre, a voté 0 mort fleurs, avec 10 cas points. Oh là là, là il y a de l'enjeu là. Pour l'instant, il y a que Princesse qui est quick. Il a raison. Donc ça, je... ça pue du cul au niveau de la faim. Ça pue du cul au niveau de la santé mentale. On est bon. Tout va bien se passer. Oh oh. Faim et santé mentale, ok, je vous fais des soupes pour le. Quand vous revenez à la base. Pour qu'on devienne pas non, fou. C'est gentil. T'as vu, il y a une taupe, on peut l'attraper ou pas la taupe? Ouais, peux essayer de les assommer avec un marteau en jouant au tap-taupe. D'accord. Pour les avoir vivantes et te faire des lunettes avec. Des lunettes? J'ai pas besoin de lunettes, moi. Même si elles te permettent de voir dans la nuit? Ah oui, voir dans la nuit, j'aime bien ça. Ouais, mais ça te protège pas du truc qui veut te tuer quand t'es dans l'obscurité, hein. Non. Ouais. Si, remarque, si, je crois que si. Je sais plus. Je les utilise assez peu. Je préfère la... Salut Lyrique. Hein. Le casque de mineur. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Ben, pour le moment, le casque de mineur est nettement plus intéressant. Ça donne de la faim, les racines? Non, les racines, faut pas les manger, elles te retirent surtout de la vie. Ah, c'est pas le bon moment. J'avoue que là, en ce moment, niveau vie, c'est pas ouf. Vous signez, vous adhérez à la secte, vous vous cassez, parce que moi, j'ai eu paix spiritique sur la plage. Merci Fido de Tour, hein. Merci beaucoup pour ton 28e mois d'abonnement. Qui vous attendent à la maison. Oh, magnifique. Incroyable. Et ben, si on arrive vivant, ça sera cool. Mais oui, mais oui. Part pas des fétiches, Jack. J'ai actuellement 22 de faim et ça diminue assez vite.
Allez, je vais aller faire la livraison. Très honnêtement, on ferait mieux de s'installer ici, princesse, à côté du portail. Ah, c'est clair. Comme ça, des boss pour tout spoonkin. Ah, ok, on y va. Ça y est, on vient de passer au printemps. Magnifique. Oh, ça y est, ma santé en mat- oh, ma santé mentale remonte. Ah. C'est beau. Ah oui, c'est qu'on avait des arrêts. Là où je suis, sur la map. Je rappelle que comme on est au printemps, il y a de nouveau des grenouilles qui sortent du marais. Okay. Et ne vous approchez pas des abeilles, elles sont toutes rouges d'office. Ah. D'accord. Entendu, elles vous attaquent à vue. Ok, ça marche. Bon bah si on nous apporte la bouffe, sinon, on peut... Tu as d'autres bonnes nouvelles ? Il pleut. Pas pour le moment. Là il pleut là ? Non mais... C'est le printemps. Prévoyez les parapluies, faudrait en crafter en vrai. Il y a pas de... Attends, c'est quoi ce bruit ? C'est quoi ça ? Ah oui d'accord. Princesse, partage ça avec Jack. Non. Arrête de tourner ! Voilà, partagez-vous ça tous les deux. Merci. Vas-y, habille Zigouillé. Oh, tiens, la viande. Plein de viande. Ah, oh, ah oui, d'accord. Oh, excellent. J'ai trouvé le Dirclops. J'ai trouvé le Dirclops. Décédé. Décédé oh. Par il quoi? Il s'est fait tuer par je sais pas quoi. À mon avis, par le triangle que vous avez laissé. Je vois aussi des cadavres de cochons qui traînent. Yes. C'est énorme. C'est super ce qui traîne ici. Et moi, je ramasse les pattes pendant que le mob est en train de faire le boulot. Le crevard. C'est bon, regardez les gens, j'ai de la bouffe. Non, c'est le job qu'il faut faire. Putain, mais Squeaks, il peux looter les trucs qui sont là. Il est complètement cheaté, votre Abigail, là. Oui, sauf que Abby, là, elle a pris très cher. Tu vois sa vie? Oui. Attends, j'ai le pitch. Elle a perdu plus de la moitié de sa vie, là. D'accord. Ah, mais... Attention, il y a le train juste en bas. Ouais. Donc je rentre en vitesse. On va essayer de le tuer, mais je sais pas la vie qu'il a. Oh, parfait. Prions pour toi au Saint-Jacques. Oui, vous avez bien raison de prier, ce qu'il faut. Allez, hein. J'essaie. Je ramène plein de pattes de grenouille. Et vas-y, tape-le. Ouais, on va pas mourir de faim, là, t'es con. Princesse, t'es partie où? T'es partie taper sur des trucs? Ah. Oh, mais il fait déjà... Ah ouais. Non, c'est pas la nuit, d'accord, j'ai eu peur. Non, non, c'est juste le... Ouais, voilà. La période ah, mais j'ai pas remis ma lance. Ah! C'est bon. Faudrait trouver des fleurs pour alimenter le machin là. Le bidule. Ok, je vais voir si je peux pas trouver. Ah, les cernes, oui. Le chouette là. Ah, c'est les araignées qui m'ont tué. C'est les araignées qui ont eu la peau du diable. J'ai trouvé un canard géant. Bah, je sais pas si c'est les araignées parce que j'ai eu 10 de bouffe. D'ailleurs, un canard je vais les ramener. Géant, c'est le géant du printemps, méfie-toi. Ouais, ouais bah, alors, il me fuit pas déjà, c'est bien. Non, mais il est pas agressif à vue, mais si tu attaques ses petits, il va te marrer. Il est juste au nord. Je vais ranger la viande. Il n'est agressif que si tu attaques ses petits os. Oh, il y a des poissons dans l'eau, on pourrait pêcher, hein. Où ça? Là, il y a des poissons au sud de notre base. Ah, oui, mais c'est pas là où il y a le radeau. Non. Le radeau, il est au nord. Bah, le radeau, on l'a laissé sur Raft, de toute façon. Ouais. Non. Oh, il rentrerait pas dans le lac qui est à côté de chez nous, de toute façon. Salut, Cobra. Oui. Cobra, princesse. Et puis, quand il s'agit du entre guillemets, radeau qu'on avait sur Raft, moi, j'appelle ça une œuvre d'art au niveau auquel tu as poussé ça, cher monsieur Man. J'ai rien non plus. Oh, il va faire nuit. Ah, avec l'art impressionniste de Jack et Princesse dans leur chambre. Oui. Tu peux dire impressionnant. Non, non, juste impressionniste. Des retours extrêmement positifs. Après modération des commentaires, bien entendu. Voilà, j'allais dire, voilà, t'as payé combien? Post-censure. Oh, censure tout de suite. Donc là, on a plus de lapin, c'est ça le plan, hein. Ouais. Mais il y a les grenouilles. Y a de la viande au frais.
Il y a de la viande au frais et j'ai agrandi le potager. J'ai ramené pour le pupitre une fleur, j'en ai trouvé qu'une. J'ai trouvé deux fleurs. Il faut qu'il y en ait quatre pour qu'elle tourne. Je sais pas. Je suis un peu... Oui, il faut qu'il y en ait quatre. C'est mieux, c'est l'idéal d'en avoir quatre. Jack, t'avais récupéré donc tous les silex, c'est ça? Ouais, je les ai posés, ils ont été rangés normalement, et je viens de récupérer des herbes coupées aussi. Ah, il pleut! Le feu s'éteint. Je vais rester à côté. Mon parapluie. Avec mes bûches. Est-ce que quelqu'un a besoin des glandes d'araignée? Il y a des glandes d'araignée dans le coffre où je suis là. Celui qui est là, ouais. Salut, fin cuillère. Je vais rester à côté du petit manège. C'est bon, ma santé remonte vite. Ah, on a un truc d'eau qui est apparu. C'est quoi? C'est la jauge à quel point tu es trempé. Et plus tu es trempé, plus les armes que tu as glissent aussi, je crois que tu peux les perdre dans... Pardon, redis voir le ce que tu viens de dire là à l'instant. Plus tu es trempé, plus tes armes peuvent te glisser des mains, et surtout plus ta santé mentale risque de baisser. Ah, c'est pire. Parfait, nickel. D'où le fait qu'il faut rester près de Gloomer et de... Et se construire des parapluies. Oui. Tu uses également, non? Forcément. Ça me semble assez évident. Pourquoi je pose la question? Là, ça va. Alors, j'ai un super parapluie sur moi, mais j'hésite à le donner à Jack. Non, j'en ai pas besoin, moi. Ah oui, mais toi, t'as fait le parapluie avec l'œil du Dirclope. Oh, voilà. Il se garde les meilleurs items. Bah, tu vois, fin cuillère, on est sur Don't Starve. Après, je me faisais une canne à pêche, je me prépare pour la. Pour la balade en bateau. C'est celui qui fera du bateau ouais, qui devra le prendre. Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Il faut des stocks de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher en ressources? Parce que je pourrais bien partir avec Princesse dans la Pampa s'il y a besoin de trucs. Mais il faut nous donner des directives. Il nous faut du bois. Ça, on sera jamais à court de bois, je pense. Ok. Bon, ça c'est facile. Qu'est-ce que ce qui peut être une bonne idée aussi? Oh, il y a de l'orage. Oui. Ah oui, bah... c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les lightning rods. Oui, mais il y en a un, donc c'est bon, on est tranquille. Il y a un paratonnerre, ouais. Il y en a même deux, je crois, il y en a un autre du côté des plantations. Donc... par contre, oui, il faut que je... Ok. Donc la mission, c'est le bois. Le bois, c'est pas mal, ouais, si vous pouvez essayer de couper la forêt. Allez, viens, Jack, on va aller couper la forêt loin d'ici. Attends, j'arrive pas à ouvrir... Ah, c'est bon. On fasse pop okay. Quelque chose. Ah, t'es parti dans quel sens si. Ah, t'as gauche. Enfin, trigard, plutôt. On peut les tuer, hein, les gardes, assez facilement. C'est ou, comme disait Arthur, essayer d'en garder en vie un ou deux pour se faire des gardes. Mais encore faut-il réussir à les. Le problème, les c'est que gérer. La catapulte l'attaque. Ouais. Oui. Après, on peut faire des catapultes au sud et des trigardes au nord. Salut Erwan. Ouais. Ouais. La catapulte, je peux pas la bouger en fait. Oui. Surtout ça. Putain, mais il est tellement beau comme jeu, c'est fou. T'as une limite de nombre de craft de catapultes ou pas? Je sais plus. Bah. Je ne sais pas. Je vais prendre ça. Il nous faut de la paille. Oui, de toute façon, la paille, ça sert toujours, hein. Ça me fait penser, ne jetez pas, enfin ne balancez pas tout le nitrate que vous avez avec vous, enfin le. La salpêtre. Ouais, toute la salpêtre que vous avez avec vous, parce que ça fait des, ça permet de faire des feux froids en été. Ouais. Et ça alimente ma catapulte. Des feux froids. Exactement. D'accord. Oui. Des feux froids, exactement. Des feux rafraîchissants. Voilà. Ça me semble assez évident. Un mélange de Tim Burton et de Lovecraft, c'est ça, esthétiquement, Burton.
Vincent, pour ceux qui n'ont pas vu le court-métrage, je crois qu'il est sur YouTube, il est très classe. Je crois que c'est le court-métrage qui l'a fait rentrer chez Disney, en fait. Et pour ceux qui l'ont vu, c'est lui qui a bossé sur Taram et le chaudron magique. C'est marrant parce que je m'en serais presque douté. D'accord, donc c'est le printemps, mais il gèle encore, en fait, c'est ça ? Il fait encore froid. Il fait encore très froid. Ah, c'est, mais... c'est le printemps en Normandie, quoi. Ouais, ou à Lille. Mon dieu, je ne comprends rien à se mettre dans le sel de mon nouveau. Il n'y a plus aucune ressource autour de notre base. Hein. Ça, c'est normal. J'avais pas vu. Il y a un gros truc. Ah. Regarde ce que je fais à ton enfant. C'est la Jack, faut qu'on rentre, j'ai froid. Pourquoi t'as froid? Parce que j'ai froid. Regarde, je plante des arbres, je suis gentil, je suis un écologiste. Ah bah voilà. Saleté, là. Oh, j'ai froid aussi. Comment c'est possible? Vas-y, viens, viens, viens. Non, je suis mort, j'ai 8 points de vie. Je suis mort. On a déjà pris un peu. Je suis désolé pour celui qui avait parié zéro mort. Mais je savais pas qu'on pouvait avoir froid. C'est... Et Jack, c'est le printemps. Au printemps, il fait froid aussi. Quelle indignité. Mais non. Oh, j'ai même pas pensé à me faire un feu de camp. Uh-oh. C'est nul. Oh putain. Donc en fin de... Ouais, en fin de journée, en fait, il fait froid, quoi. C'est ça. Voilà, on en apprend, hein. C'est comme ça qu'on apprend, j'imagine, quand on fait le jeu de façon standard. Oui. Ah, c'est un Die and Retry quand tu débutes. Hein. Les gens veulent me voir en solo dessus, je parie. En même temps, ça fera des parties courtes. Hein. Ah, ça, c'est clair. Moi, j'imagine qu'au début, oui. Tu tiens 2 jours, et puis 3 jours, et ça progresse comme ça. Déçu, je suis. Ah non, mais ouais, attendez... Partez du principe que je découvre. Donc je me fais avoir par tous les trucs où vous vous êtes fait avoir. Sans compter ceux où vous vous êtes pas fait avoir. Voilà, ça. Je me fais harceler de monstres. Hop. J'ai besoin de ciboulette. Ouais, fin cuir, on est en multi, donc on a un portail. Par contre, faut que j'aille à l'autre bout de la map. C'est la partie la plus casse-couille. Alors, techniquement, en multi normal, tu meurs une fois, t'es mort. Hein, mais... Enfin, t'es en fantôme, mais il faut que tu cherches une pierre de résurrection. Le portail, c'est juste parce que sinon, c'était trop galère. Ah, il y a encore un tréant, là. C'est normal, c'est le printemps. Ouais, bah, je vais attendre le jour, hein, pour revivre, parce que là, j'aurai pas le temps de prendre les ressources pour rentrer. C'est quoi ça? Des algues bœufs? Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte. Le chapeau que dans la question ne protège pas de la pluie. Non. Ah. Pourquoi il est dedans? On sait pas. Je veux pas faire de parapluie, donc le perso va devenir fou parce que le feu ne sèche pas et rien ne le protège. Tu peux faire un parapluie en plus si tu as des brindilles. J'en ai 8. Et bon, on a l'étoile d'araignée dans un coffre. Mais il est où ce putain de portail? Tiens, oui, c'est pas du tout au bon endroit. Bah oui, mais je le vois pas sur ma carte. Attends. Je vais te doubler. C'est parce que j'ai mettre ça en attendant. J'ai tourné ma carte. Rampman, fais gaffe, quand il arrive à 0%, le casque que je t'ai donné, il se détruit. Et il faut pas. Il faut le réparer avant. Ouais. Tu m'as donné quelque chose? Je t'ai donné un casque. Faut pas dépasser. C'est une sorte d'œil. Ouais, ce truc là. Ça marche. It works, merci. C'est vrai que... Il y a un truc dans le coffre qui est là, celui où il y a de la rotte. Il y a aussi un Sewin Kit. Quand tu arrives à un bas pourcentage, tu l'utilises sur le casque pour le réparer. Alors c'est vrai les gens que si je joue la montre, en même temps, le temps de retourner au corps, c'est bien. Hein. Merci encore Carlou pour le 26e mois, ça fait très plaisir. Du coup, tu avais fait un parapluie en plus, Spook ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Ok, je me débrouille. J'ai pas les twigs.
Les Twigs, je t'en avais passé 8. C'est moi que tu les as passés. Oui. Ah, pardon. Bah, du coup, je les rends à qui de droit, là. Et t'avais encore les webs ou pas? Ah, ils sont là, les webs. Non, ils sont dans le coffre, c'était pour ça. 1, 2. Bon, on peut faire quoi comme truc pour ces boîtes? Je vais mettre ça au frais parce que c'est pas bon de le garder. Non, en fait, mon perso devient juste fou. Alors, faut que tu crames des trucs, mais crame volontairement un truc pas très. Pas dangereux, genre les des arbres. Pousse-toi, pousse-toi, cours, cours loin, cours loin, cours loin, tu te fais attaquer par les ombres. Alors, pour les ombres, faut les approcher tout doucement, tu vois. Ah, bah non, ah, les aura pas approchés tout doucement. Ah mince. Fin d'explication quand même. Faut les approcher, les kites elles vont se mettre à. Enfin, c'est un peu difficile, je sais pas comment expliquer ce genre de truc efficacement. Faut les faire déclencher une attaque et reculer. Et puis ensuite leur donner un coup. Je peux le montrer maintenant que je suis fou. Il y en a 4 qui vont m'attaquer là. Ouais, faut ouais, les approcher fin un peu, cuillère. Elles attaquent comme ça. Et après... On se tape le chemin à chaque fois, mais ça permet de prendre des ressources. Ah, elles attaquent un teddy bear là. Pourquoi elles attaquent un teddy bear? C'est à qui ce teddy bear? C'est à moi. Bah, le teddy bear c'est à son perso justement. Non, c'est pas Wendy, c'est Willow. C'est un moyen de me préparer une petite injection de mettre mon bon Arthur, histoire que. Parce qu'en plus, je cumule tout, j'ai plus de vie. Bon, je vais essayer de ramasser. On a normalement d'avoir trouvé les glandes d'araignée, donc c'est une bonne. On a beaucoup de pourri, enfin de trucs pourris ou pas? De rotte. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que je récupère de la bouffe. Le froid arrive en fait en fin de demi-journée, quoi. Alors ici, j'en ai 4. Ah, ça, je le fous déjà. Non, je sais plus ce que je voulais faire. Un parapluie. Ça, on va le prendre quand même. C'est quoi ça? Écrouler trop de lapin. Tu veux qu'on t'emmène Thérèse, Campman? Bon, je vais peut-être attendre la prochaine saison. Hein. Non. C'est dans 18 jours. Là, il pleut plus, Monsieur Man. Oui. Quand il met le temps de retourner au portail, il fera nuit, il repleuvra, il refera froid. Fin... À l'avantage, c'est que ta santé mentale ne baisse pas pendant que t'es fantôme et que t'attends que la nuit se termine. Ça, c'est l'aspect positif de tout ça. Oui. Par contre, ça se trouve où c'est fou de papillons, là, maintenant que j'ai mon filet. Les papillons, faut trouver des fleurs. Comme on les a quand même ratissés sur une très large zone, ça va être compliqué. C'est la merde. Des fleurs, beaucoup de papillons. Yes. Trouver des fleurs. Bien. Ah, bah voilà, on a deux personnes à. Ah, moi j'étais tranquillement près du machin chose pour remonter la santé mentale et je suis morte. Ah, bah tu devais pas être à côté du truc qui remonte réellement la santé mentale parce qu'elle a dû baisser suffisamment pour que tu meurs. J'arrive avec des fleurs, normalement j'en ai 4. Non, ramassez pas toutes les fleurs. Il faut combien de papillons pour un champ? C'est une dizaine? Oui. Bon bah. Enfin, cinquième. Plante humide. Tant que tu peux en fait. Plus le champ sera gros, plus il s'auto-alimentera. Ouais. Où est-ce qu'il n'y a pas de papillon crépuscule? Oh putain, ça va être un cauchemar. Il y en a qui ont parié 10 morts là? Sois pas pessimiste. Ah, j'anticipe, hein. Je pense qu'il y en a 2-3 là, ils vont se faire plaisir au niveau des points de chaîne. J'espère que t'as prévu. Oh, il y a une fleur là où je suis, Ne l'accueille pas, Ah, faut pas l'accueillir. Non, faut pas l'accueillir. Je la marque. Ouais, cueille pas les fleurs, hein, princesse. Parce que là. Donc, il y a un poulet géant qui. Qui a pondu. Oui, et qui a pondu, pas loin.
je marque les fleurs sur mon passage. Ah, il y a quelqu'un qui propose une idée. Carlo qui nous met ce qui serait pas mal à faire, c'est un coffre à côté du portail avec des pierres thermales, bonnets et ressources. Ouais, mais on passe le temps à aller le remplir du coup. C'est ce que j'allais dire, du coup, on va faire l'aller-retour. Ou on installe la base à côté du portail. Comme tu y vas. Je vais prendre les arbres qui ont l'air grands là. Il y a beaucoup de squelettes autour de la base. Hein. Ah, il y a quand même 21% des gens qui ont prédit 5 fois et plus. Ah, vous êtes vraiment des chiens. Faudra récupérer. Bah, il y a plein de fleurs qui ont poussé pas loin de la maison. Donc, on peut pas splitter. Il y a une commande pour splitter les stacks qu'on a sur nous ou pas? Contrôle, je crois. Merci. Ouais, comme ça. Et ouais, bah c'est là où j'ai trouvé mes papillons. C'est toi qui arrives. Ouais. Il y a du feu à la maison. Ouais, il y a du feu. Je l'allume tout de suite. Il va faire nuit là. Il va faire nuit, ouais. Merci. Dans quelques heures. En secondes. Parce que je suis en train de mourir d'hypothermie. C'est fait. Bon, j'ai ramené à bouffer. Pareil, j'ai ramené des baies, des carottes. Et j'ai 6 fleurs sur moi et j'ai rempli le manège. T'as rempli les cernes, super. Je suis en train de remplir en haut une des marmites avec 2 carottes et une baie. Je sais pas si c'est bien. Et je vais mettre de la viande. Ah bah là il y a une viande par terre. La viande de monstre, faut la mettre avec une viande de pas monstre, hein, c'est ça? Il y a une... T'as une fleur à mettre dans le... Il y a un cerne qui a perdu un slot. Attends, il est où? C'est celui du bas. Ah yes, ok, je mets ça et je vais mettre les fleurs. J'ai joué au petit poussé avec les fleurs si vous regardez la map. On a vu ça. Un petit. Ça va Mathis? Ça va, j'essaie de devenir fou. Pourquoi? Pour vous montrer comment essayer de kite les ombres qui vous ont tué. Incroyable. Il se sacrifie, c'est beau. Non, ça loot des trucs rigolos. Ah. Ah, c'est marrant, quand vous avez un item qui a plus de durabilité, si vous le mettez sur un stack qu'on a encore, ça le réinitialise. Oui. Oh. Oh. Équilibre, ça peut être un peu gâché de temps en temps de faire ça. Ah, voilà. D'accord, assez équilibre. Donc là, voilà, je m'approche. Ouais. Alors t'es où, ils là, vont se mettre à attaquer. Ouais. Et ensuite, je donne un coup. Hop, il attaque un coup. J'attaque. Il m'attaque. Ouais. Tu vois quelque chose? Ouais, ils sont peut-être pas assez opaques pour vous. Hein. Monsieur Gova. Mmh. 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 Ça va mal finir. Salut Messiou. Tout ça va finir dans les larmes. Moi, t'es à côté du portail. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est beau ce que tu fais. Ah, d'accord. C'est pas lui que je voulais taper. Ah, il y a le feu qui m'empêche de le toucher. Bon, je pars de l'autre côté pour faire des... Faire ça. Voilà, un de moins. Donne-moi. C'est l'essence cauchemardesque, du coup. C'est ça, c'est intéressant pour faire des... certains items. Ah bah voilà, il m'attaque plus. Ou bien... Et on est censé faire quelque chose avec le roi des cochons? Tu peux lui donner des items, il te donne de l'or en échange. D'accord. Mais faut aller violer un cimetière pour avoir les items en question, donc...
D'accord. Alors, faut pas ramasser les fleurs. Ne pas ramasser les fleurs, ne pas ramasser les fleurs. Aucune fleur, parce que moi j'en ai ramassé une là à l'instant. Oh, et si on voit un papillon, on prend ? Tu vas pas pouvoir, tu peux que le tuer si t'arrives à le toucher. Oh merde, j'ai oublié de manger. On va le manger dans ce cas-là, ça te donne un PV. Ouais. Il faut une espèce, un filet pour l'avoir. Ouais. Oh non, non, j'ai oublié de manger. Nat, je te mets l'emplacement du papillon. Ou t'es plus là-dessus, peut-être. C'est bon. Ici, je vais arriver, ça fait absolument que je mange. Alors, le problème, c'est qu'il bouge quand même. Je vais le suivre. Voilà. Je t'attends et je le suis. Ça, c'est ce qui suit les papillons. J'y suis les papillons. Tout va. Pourquoi suivez les araignées? Ça ne pouvait pas être suivez les papillons. Oh, il y en a deux. On peut paniquer maintenant. On peut paniquer maintenant. Il y en a deux, ils bougent dans un sens opposé, j'arrive pas à les suivre. Mais j'ai un petit problème d'abeille. Ah. Ah. T'inquiète, il y a aussi des grenouilles. Ouais. Après, si t'as la bille, ça devrait aller pour les abeilles. Les lasagnes, c'est quoi les lasagnes? Lasagnes, faut pas les bouffer. Ah, d'accord. C'est de la viande de monstre. Bande de petits bâtards, vous allez me faire manger un truc qui allait me tuer. Je peux les donner à l'oiseau, ça fera un œuf, ça sera au moins ça de gagné. C'est pas bon. Ah tiens. Oh, mais Satan, s'il fait froid encore, je vais mourir moi. Faut que je rentre. Oui. Oh, pauvre petit. Oh, ça nourrit tellement que dalle ce que je viens de préparer. J'ai préparé une baie, une viande de monstre, une pâte de grenouille et une carotte. Est-ce qu'il y a une recette qui... C'est bien. Bon bah je continue de préparer. De viande, normalement. Non, sinon, ça a fait un sandwich. Le sandwich il remonte ta santé mentale. Bon. Alors on va prendre ça. Je cook des trucs les gens. Hein. Tu vas nous remplacer Julie. Là je suis à fond là. Oh, il faudrait que j'aille chercher mon stuff. En cuisine, alors... Je suis mort où tout à l'heure les gens, je me souviens plus. Attendez, faut pas que je parte avec la potion. On aura plus rien à bouffer, hein, d'ailleurs. Merci. Mais non. J'apporte à manger. Enfin. Hola. Quoi? J'aime pas quand Arthur dit hola. Ça fout là. Ah, c'est princesse ça. Ah, c'est princesse ça qui l'a attiré. Il y a une plante. Il y avait une plante œil. Ouais, faut les tuer. Ah. Saleté. On va aller stocker sur un radeau. Jack, si t'as plus d'idées en termes de bouffe et qu'il y a encore de la viande, tu peux faire. Comment ça s'appelle? Tu peux t'occuper. Soit tu peux t'occuper du potager, soit tu peux aussi. Avec de la glace et de la viande de lapin. Une viande de lapin et trois glaces, tu fais de la soupe qui remonte la santé mentale et te remplit l'estomac. L'a récupéré le parapluie. Attends, j'ai pas écouté, excuse-moi, parce que j'avais un chapeau de paille et je sais pas ce que c'est. Je l'ai plus, hein. C'est moi qui l'ai mis dans mon inventaire, le chapeau de paille. Ah. Ça ralentit l'humidité. Mais J'ai une grande classe. Je l'avais emmené si avec moi si pour, tu cuisines, au cas où il pleuvait pour le redonner. Si tu cuisines, je te conseille la soupe de lapin, donc c'est une viande de lapin et de la glace. Et pour le reste, tu mets de la glace. D'accord, et que de la glace, ça marche. J'ai récupéré des graines au long. Oui, je vais les planter. Ah, attends, je vais les poser à côté là. Fais gaffe qu'un oiseau vienne pas les manger. À côté du jardin. Est-ce qu'il y a un volontaire pour planter du papillon? Mais tu manges quand? Bah, j'ai mangé, mais c'est parce que mes sandwichs ils donnent pas assez de nourriture. Quelqu'un a une pelle? Non. Nat demande s'il y a un volontaire pour planter les papillons, ça? Oui, tout à fait. Je veux bien, j'ai rien plus. Alors attention à ne pas te tromper de touche et les libérer tous au lieu de les manger, de les planter. Sinon je crois que Nat va te maudire. Tu peux faire des petits stacks pour éviter, hein, pour commencer à les planter un par un. Hein.
pour t'habituer. D'accord. J'ai encore le fil. Je te regarde, princesse. Je vais t'accompagner, te soutenir moralement. Où est-ce que je les plante? Pas dans... Je peux les planter dans les, le biome? C'est pas fou, non? Faut les mettre pas très loin, après pas trop proche non plus. Hein. Il n'y a pas trop de pression à avoir là-dessus sur la zone. N'oubliez pas de manger. Ah tiens, on fait ça. Il y a une main qui s'approche du... Ouf, punaise. Je vois que on soigne la garde-robe. Ah bah, c'est important. J'ai récupéré. Je suis devenu un season survivor. J'ai des points à mettre. Je sais pas. Je sais pas les gens. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la torche. Il ne reste plus du tout de rottes. Si, des rottes, il y en a, mais j'aimerais les utiliser pour craft une seringue pour Jack. Ah oui. Je pensais que tu l'avais déjà fait, je voulais en crafter une pour Princesse aussi. Alors, j'ai quelqu'un chez moi qui pose une question. Il y a Fine Cuillère qui demande, est-ce que le jeu est dur? Donc là, on a des gens d'expérience qui vont te répondre, dont Arthur et Malfis. Tu veux que ça dépend, tu veux que le jeu t'insulte en quelle langue? En allemand? Par exemple, vous qui avez a priori un bon niveau et qui arrivez à passer les saisons et tout ça, vous avez une estimation du nombre de morts ou c'est pas quantifiable? Alors, il est possible de jouer sans mourir, hein. Ça se fait, c'est possible, c'est faisable, mais c'est une véritable galère. Faut avoir une bonne configuration de map, donc de la chance. Ah et oui, d'accord, après, carrément. Oui, il y a des fois c'est aussi une affaire de chance, hein, la RNG. Donc tu m'as dit viande de lapin et d'agneau. Jouer avec toi, il y a des fois elle te met des raclées. Non, il y a des fois elle joue avec toi quoi. Oui. Faut que je ramène de la glace, hein, c'est ça, pour que tu puisses faire tes trucs de lapin là. Toujours appréciable d'en avoir. J'en importe un peu. Oui, surtout qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on retourne farmer des gears histoire d'avoir les machines pour l'hiver, pour l'été pardon. Histoire d'éviter les feux de forêt. Ouais, mais on les a désactivés normalement. Ah, d'accord. Sinon, effectivement, ça serait catastrophique. Voilà, sinon, on serait tous morts. Mode de terre étrange, j'y vais. Nat, il y a des papillons là où j'ai planté les fleurs. Est-ce que. On les prend maintenant? Ouais, tu peux, ouais. Si. Alors, j'ai pas de filet. Je peux peut-être m'en crafter un, mais ça prend de la toile d'araignée. C'est et pas grave, je me dirige vers les araignées. Je crois que j'ai trouvé à manger. Après, tu build pas princesse, là, j'ai bientôt fini de ramasser tout. Qu'as-tu trouvé à manger? Ça semble gros, ça a des traces de pas, je suis en train de suivre une piste. Ah, c'est le coéléphant, ça, oui. Si vous voulez m'accompagner. Alors, si ça ressemble à un truc mignon, tu pourrais essayer de l'attaquer. Si ça ressemble à un truc un peu dégueulasse, tu nous préviens. Oh là, oui. J'ai pas d'armes. Oui, sinon tu risques de te faire... Oh, il y a une plante fleur. La vieauté. Voilà. Donc, si ça a l'air bizarre, je vous appelle. Ça aura forcément l'air bizarre, de toute façon. Et si on dirait un petit éléphant trompe, mignon... Voilà, si ça a une trompe, c'est positif. Si ça a l'air d'avoir besoin de se moucher, fuis en courant. Ça ressemble à un éléphant de dos. C'est un éléphant avec des cornes. Ouais, c'est bon, celui-là, tu peux essayer de le poursuivre. Je vais le ramener vers la base. Non. Ouais, essaie de le ramener vers la base, c'est une bonne idée. Je le ramène vers la base. Il arrive. Ça nous fera de la bouffe. Oh, regardez, c'est Dumbo. Non, mais ça sert à rien de poursuivre une dinde, on peut jamais l'attraper. Ouais. Crampman, j'ai récupéré une grosse dinde, elle est dans la base. En fait, il faudrait poser des... Elle est dans la base. La dinde. Oh oui. Il y a l'éléphant, il est là. Ça attaque pas? Non, ça attaque pas, c'est gentil, comme plutôt gentil. Oui, d'accord. Et on va le tuer? On va le bouffer! Plein de viande. Bon, bah, let's go.
Attention, vous avez pas beaucoup de points de vie, ça se défend quand même, hein, ça va vous taper dessus ici. Oh non, princesse! Oh, j'en ai marre. Il était trop mignon, mais il y a de la viande. Oh. Ah, je suis en train de mourir de froid. Je sais pas si il y a de la viande, je vois rien dans le corps. J'admets que je suis pas resté suffisamment longtemps. Quoi, moi? C'est une catastrophe. On a peut-être que la viande peut aussi, enfin les gros jambons comme ça peut aussi faire des armes. Ça serait intéressant pour un prochain boss, mais c'est si on arrive à aller jusqu'à l'été. Oui, il faut qu'on arrive jusqu'à l'été déjà. Oh. C'est quoi ça? C'est juste un éclair, hein. D'accord. Ah oui, ça c'est juste du skin, ça. Je peux voir mes cadavres éparpillés un peu partout sur la base. Mais je vais les, okay, je vais les casser si... Oh ouais, si squelettes. Mange le vivant, s'il te plaît. Ça fera du mal des matériaux. Ah, oui, surtout qu'en plus, ça me permettra de continuer l'entretien du jardin. Nice. Tout à fait, de toute façon... Il ne sert plus à rien. Monsieur Man a un parapluie, parfait. Tu es très élégant, Crampman. Merci. On a un autre, ouais, juste là. Là. J'avais pas de quoi en faire un avant, donc. T'as l'air un peu cinglé, mais bon, ça, j'ai envie de te dire. Cela semble t'étonner. Derrière le... Non, pas. Personne n'est étonné, je crois. On n'a pas de structure des abeilles. T'as vu? Ah, ça glisse de ta main. Oui. C'est fou. Ça me contracte. Non. Il n'y a rien à faire du live et il peut pas mourir. Et même là, il peut mourir. Bah oui, je peux mourir parce que si je me barre, je vais attraper froid. Le problème, c'est que j'ai pas de vie. Ah, ça, on sait que Jack peut mourir. On l'a déjà vu. Évidemment, regardez, j'ai 38 points de vie. Je me mets un handicap aussi. Ah, ça va, on fait ce qu'on peut. Où en sont mes drogues, Arthur? Ben, tes drogues, elles en sont à nulle part, étant donné que j'ai pas de... De glandes d'araignée? Non, les glandes d'araignée, je les ai, c'est pas le problème. Le problème, c'est la moisissure. Pourtant, ils flottent, on devrait avoir la moisissure. Ah bah ouais, là, j'ai laissé des Monster Meat hors du croque-pot pour qu'ils pourrissent plus vite. Faudrait tuer des araignées en masse et puis les laisser la viande pourrir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aurait les cadavres aussi, du coup, à récolter. Ouais. Ou princesse, je te mets les papillons dans le frigo. D'accord. Merci. C'est une expression qu'on connaît pas, ça? Non. Salut, Flou, comment ça va? Et comment on se soigne, en fait? Jack, ton chat est 18+, ou pas? Oui, il est 18+. Pour se soigner, en fait, il faut qu'on crafte ça. Je vais pas me rapprocher de la machine sinon je vais décéder. Mais en fait dans les soins il y a un truc à crafter avec des glandes d'araignée et plein de compos en fait. Mais ma barre de vie ne peut pas remonter. En fait vous voyez la zone qui est noire en fait ne peut pas se remplir. Donc mon maxi de vie c'est 38 en fait. Et pour longtemps mais pendant un petit moment. Y a pas moyen d'annuler ce malus quand on meurt? Si Dans les paramètres non. Tu veux dire? Non, ça dans les paramètres, ça se change pas, je crois. D'accord. C'est ça qu'il faut que je fasse, je crois. Non, c'est pas le baume de soin, c'est les seringues. Moi, j'ai peur d'aller me balader maintenant. Ah bah, on meurt de froid, nous, hein, si on va se balader. Je peux rien faire. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Non, non. C'est pas qu'une impression. On n'a rien fait, princesse. On n'a rien fait. J'ai ramené 4 bûches, des baies. Oh là là. Objet imperméable. La misère. Oh, je peux me fabriquer ça. Un joli parasol, protection, chiquet portable. Parasol, ça parapluie ou ça parapluie pas? Non, ça parapluie pas, je crois. C'est nul. Oh, c'est ma santé mentale qui se casse la gueule, je suis désolé.
Il est mort beaucoup de fois pour que ça joue sur la 38. Bah non, pas tant que ça, 4 ou 5 fois. 5 fois, je crois. Enfin, 6 là, du coup. Normalement, ta jauge devrait même être plus basse que ça, mais on avait à chaque fois, on avait réussi à te faire des piqûres pour te remonter la jauge. Après ça peut être beaucoup. Oui, non, mais... Oh putain. Ah mais Ray, t'es pire que le pire d'entre nous. Hein. Ouais. Ok. Ouais, on va chercher de la bouffe. Attends, avec une lance. Je vais me remonter un peu la santé mentale parce que là j'ai tout qui tremble. Oh mais la vitesse à laquelle la santé mentale est descend, c'est un truc de dingue. C'est normal, t'es humide. Alors j'étais mort par où, moi? Je voulais pas le dire comme ça. Non, mais tu l'as dit comme ça. Je crois que j'étais mort par là. J'étais allé par ici. Pas du tout. J'étais pas du tout par là. Du coup, les papillons, est-ce qu'on peut les mettre où? Ils sont dans le coffre avec les kits de réparation. Il y a un raton laveur, on peut le manger? Oui, tu peux le buter, en théorie ça devrait... Enfin, attention à ce qu'il ne te tue pas, parce que s'il se défend un petit peu, mais en théorie ça se tue facilement tout seul. Ouais, bah écoute... Il est pas là ce soir. J'étais mort par là, mon stuff a disparu en fait. Il disparaît le stuff à un moment? Non. Il peut éventuellement se désagréger, ça oui, mais sinon, non, en théorie, il disparaît pas. Mais... J'étais mort où, les gens? Vous vous souvenez où j'étais mort ou pas? Tu étais mort... Par... Par là? Tu crois? C'était si haut que ça? Tu parles de... Quand on est partis tous les deux couper du bois? Oui. Oui, c'était par là. Ok, merci. Je m'en souvenais. Vous voyez, Princesse suit. Dans le chat, vous ne suivez pas. Mmh. Ouais, je les mets à l'épreuve, mais... Le cochon ressemble à mes potes IRL. J'espère que ton pote n'est pas dans le chat, hein. Ouais, les indications de Princesse sont approximatives, on est bien d'accord. Non, mais j'ai dit par là. Ouais... D'accord, j'avais une doudoune en plus. Oh, il est là. Oh merde. C'est bon. Il était où l'œil plante? Le plante-œil. Le plante-œil, il était pas loin. Je vais pas retrouver. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est bon. Je suis rentré. GG. J'ai ramené un caca. Ouais. C'est vrai qu'on a plus de Mufalo, c'est pas embêtant ça par la suite? Si, théoriquement. En fait, on n'est pas censé être vivant quand tout ça s'est passé, c'est ça? Exactement. Alors, les papillons dans le frigo. Alors moi, du coup, j'ai encore des... J'ai encore des pétales pour la machine. Ils sont dans un coffre, je crois, les papillons. Papillons dans un coffre. À côté des kits de réparation. Oula, il y a un boss à c'est celui qui est... Des living logs, ça sert à quelque chose ou... Ouais, oui. Ça permet de faire des items un peu plus... Bon, après, il y a un... Il y a le boss qui est à côté, donc je vais peut-être pas insister. Merde. Faudrait qu'on essaie d'en tuer un avant la fin de la... Il nous reste 15 jours. Si j'agresse rien, il fait quelque chose. Ah, si tu peux l'approcher de manière safe. Bah, je reste à distance. Il n'a pas l'air trop vindicatif, comme les panneaux. Ça vous intéresse, un boss araignée? Oula. Un boss araignée, ça peut être intéressant, mais on va mourir, ouais. Je sais pas, je vais me... Qu'est-ce qui se passe, Princesse? Pourquoi tu fais du bruit? À tous. Moi?
Les plus faibles. D'ailleurs, ceux qui sont déjà morts, ça tombe bien. Je suis en train de préparer le repas. Oh mon dieu. C'est énorme. Ah, ça c'est les enfants du géant de du géant du printemps, ça. Quelqu'un veut des asperges? Je vais trouver du rot si vous voulez. Tu veux qu'on fasse pipi qui pue? Quoi? Princesse, allons, allons. Bah, c'est le principe des asperges. Quand même. Non, je le connaissais pas, moi. Mais non. Bah écoute, essaye un jour, tu verras, tu seras surpris. Ça va aller, merci. Mais c'est drôle. Étonne tes amis en mangeant des asperges. Oui, c'est ça. Rappelez-vous, les uns dans le chat, ce sont des professionnels. Hein. On dira pas de quoi, mais... C'est bon. J'ai préparé des boulettes pour ceux qui ont faim. Par contre, j'ai rien pour ceux qui sont fous. Les fous, faut qu'ils s'approchent de la cisterne, faut qu'ils restent à côté de... des trucs jusqu'à bien remonter leur point de vie. Il faudrait... En fait, il faudrait vraiment réussir à découvrir le reste de la carte. Est-ce qu'on peut faire du cannibalisme? En fait, tout à l'heure, quand Princesse est mort, j'ai essayé de ramasser son corps pour voir si je pouvais pas la manger, mais je peux pas. Ah bah bien. Très mal fait comme jeu. Hein. Bravo. Bon, j'aurais pu récupérer, je pense, un peu de viande. J'ai des oignons. La viande de monstre, ça va mettre par terre. Hein. Ouais. Vous avez des... Vous avez de la nourriture de prête? Il faudrait que je récupère... j'ai les baies sur moi. Morceaux de poisson, je vais vous laisser les trucs que je connais pas, je préfère vous laisser les que vous les prépariez. Bon, j'ai posé du rot à côté d'un coffre. Vous avez l'air d'en chercher. Oui, j'ai pris. Ouais, c'est bon, la fin c'est bon. T'as combien de points de vie, Jack, au max? Là je suis à 38 toujours, j'ai pas bougé. Je suis à 38 aussi. Est-ce qu'on peut descendre plus? Parce qu'il me semble que non. Hein. Oui, c'est possible. Ah, d'accord, ok. Donc je vais pas tester. C'est la prochaine étape, je crois. Le plus bas que j'ai vu, c'est 10. À 10 points de vie. Mais Oui. Ah, donc s'il y a du vent, tu meurs, quoi. C'est ça, plus ou moins. C'est injouable à ce niveau-là. Et en fait, le cannibalisme, il y en a pas dans Son of the Forest. Déjà, parce qu'avec Franck, quand il meurt, on peut pas le dépecer l'autre joueur. Pour le manger. C'est pas possible. Il a bien essayé. Il y a de la bouffe qui se périme au frigo. Ouais, mais je ne sais pas ce qui est préparé de ce qui n'est pas préparé en fait. Tu peux cliquer sur le petit cadeau qui est au-dessus de ta tête, enfin en haut à gauche de ton écran, Jack. Oh. Jack, j'ai un cadeau pour toi. Enfin, pour Jack ou pour Princesse? Descends à l'aide. De quoi? Quel streamer aura le privilège de vivre un peu plus longtemps? Ah. Pour la salle de shoot. Okay. La vraie princesse, je suis modérateur chez Jack. Hein, donc, c'est Jack, tu as officiellement une... Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, je mets de l'engrais. C'est clic droit? Oui, c'est bon. J'ai des baies, je les pose et je retourne chercher à manger. Non, mais on n'arrête pas d'aller chercher à bouffer, en fait. Comme si c'est un peu dans le titre, ça. Je crois, hein. Il y a un rapport, il me semble. Hein. Et comme il y a le boss arena qui est pas très loin d'une espèce de géant du printemps, là on pourrait pas se taper dessus. Ouais, ouais, on peut les faire se taper ouais, dessus. Ouais, allons mourir. Il est où? Non, on va aller regarder se taper dessus. Ah. Je te suis, princesse. Mais je sais pas où c'est. À nous deux, on a quasiment 70 points de vie. C'est Nat qui a call le truc. Je viens de vous mettre le point d'intérêt. Yes. Ah, super. Ok, let's go. Voilà, et pendant qu'ils partent s'amuser, moi bêche le jardin. Je crois que l'araignée a une aura d'insanité. Nous, on a passé le live à crever, donc. Méfie-toi, princesse. Ouais, il a une aura qui va te rendre folle. Ah non.
Elle l'est déjà un peu, t'en fais pas. Voilà, ma santé mentale est parfaitement au point. Du coup, tout va bien. C'est ma jauge la plus haute. Ah, pourtant, la jauge de santé, normalement, elle doit remonter pour toi. Ma jauge de santé, non, elle remonte pas. Je suis toujours à 38, ça monte plus, moi. J'ai la barre noire au-dessus, moi. T'as pas pris la picouse? Mais non, il veut pas me la faire. Je t'ai filé une picouse. Bah, tu l'as mise où? Dans ton inventaire. Mais faut me prévenir, comment je sais que tu mais l'as je mise? Je te l'ai dit deux fois. Il l'a dit. Mais tu crois que j'écoute tout ce que tu racontes? Non, je sais bien, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi faut taper? Va voir à gauche. Et reviens en courant à droite. Ok, à gauche. Un peu plus au sud. Un peu plus au sud. Là, normalement, Princesse crie. Oh putain de merde. Oh, aïe 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 aïe. Princesse, c'est une blatte. Oh là là. Oh, toute cette viande qui te court après. Énorme. Mais regarde, il y en a une horrible là qui me suit aussi. Allez, c'est une nurse, elle est toute gentille. Bien sûr, je te... Oh non, ça touchait pas, j'étais loin. Oh, il y a un sac là. C'est le mien. Techniquement, il y a même des personnages que cette reine. Princesse, au secours, je suis poursuivi par des araignées. Oh, la grosse, il y a la grosse, Attention. Venez à droite justement, on essaie de l'emmener là-bas. OK. Elle fait quoi parce que j'ose pas m'approcher d'elle. C'est quoi ses patterns? Voilà, oh, la grosse, elle va attaquer de loin, c'est pas la plus. On va me prendre ça. Oh, il y a un poulet. C'est ça qu'on veut se voir. Je veux voir le haut. C'est un poulet ou c'est un canard? C'est un cerf. C'est un poulet cerf. Ok. Viens, on se l'a fait cette petite araignée là. Moi, un coup, je suis mort. Hein. Ils vont taper les petits de la classe. Ah là là, faut tomber là. Tu as bien pris ta seringue, Jack? Oui, j'ai pris ma seringue. Bien. J'ai eu peur et en fait c'est Balfish, je crois. Ah non, c'est Dr. Spook. T'en fais pas, princesse, bientôt j'aurai de quoi te faire ta seringue. Et en faire une autre pour Jack. Les petits poussins, ils attaquent ou pas? Ils peuvent se défendre, il me semble. Ouais, non, mais j'étais pas parti dans le... Moi, tu sais, je suis un observateur de l'ONU. Vous voulez pas vous taper, là, les gros, là? Elle fait des AOE. C'est bien normal, ce qui se passe, là, ou pas? Je sais pas si elles vont réussir à s'aggro l'une l'autre, vu qu'elles font pas de AOE, justement. Les AOE que tu vois, je crois que c'est les nurses qui soignent les autres araignées. Je crois que c'est parti. C'est quoi ça, Moussanes? Ah ça, si, y est ça y est, c'est ta plus. Il va gagner. On fait les paris. Mais non, elle s'attaque pas. Mais c'est quoi ce Beans? Quelqu'un a deux pierres sur lui là autour des araignées qui se tapent dessus. Des pierres? Non, c'est pas suffisant. Oh, je suis mort. J'avais pas vu. Bon, bah, je vais observer le combat. Parce qu'il va faire nuit. Oh la petite. Et comment tu fais ça pour le tuer en temps normal? Tu fais ça? Tu fais de l'aggro de. Mais j'étais ultra lourd! Mais non, oui! J'étais ultra lourd! Mais oui! La hitbox, c'est scandaleux! Mais. J'arrêtais pas de courir! J'étais ultra. Oh, ça y est! C'est de les faire s'affronter entre eux. Regardez, ça y est, ils se battent! Touchez plus à rien! T'as vu, princesse? Oui, je regarde là, du coup. Ah, là, c'est plus commode, en fait. Je trouve ça plus pratique. Moi, j'ai fait ça pour les viewers aussi. Non mais honnêtement, il y a moyen de les tuer sans faire cette technique-là ou pas? Oui. D'accord.
Techniquement, tous les, enfin chaque mob a un pattern. T'es censé pouvoir les frapper une ou deux fois, puis tu back. Y a un timing à trouver pour chaque mob. Ouais, ils ont l'air d'avoir un peu de l'allonge quand même, non? Il y en a certains qui en ont beaucoup. Le pire, c'est le Deerclop. Enfin, le Cerclop. Ah, l'araignée est morte. Et bah, chez l'araignée. Eh ben c'est parti, on retourne au portail. Oula, on a plus de lumière. Il y a des j'ai fait un feu juste en dessous, si toujours là. Je sais pas si on a des bûches quelque part, si c'est bon. Il y en a sur mon cadavre. Elle a été utile à Picouze. Bah j'aurais pu descendre plus, en vie. Je vais suivre Princesse, elle a l'air de savoir. Elle est T'inquiète pas, je connais le fantôme avec toi, Spook. Pauvre Arthur qui travaille pour Nain. Bah non, parce que plus on a vie, moins on meurt vite. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je disais que tu as gardé le petit fantôme avec toi. Ouais, il faut que je fasse sa quête, mais je sais plus comment. Faut que tu le suives, je sais plus comment. Mais il va te désigner un endroit où il faut creuser pour... Bah c'est ça, faut la peine. Choper. Ah non, je crois même pas que tu... suffit de s'approcher, il y a l'item qui va apparaître. Il faudra lui donner. Mmh. C'est une catastrophe. YouTube, c'était très beau. À la prochaine. Au revoir, YouTube. Salut, YouTube. Salut, YouTube.